Bon, ben, bienvenue tout le monde. La première capsule, le monde ADD. Le monde de DD. Dorénavant, les capsules vont être comme ça. Faut commencer la capsule avec le développement virtuel. Tout dépendant qu'est-ce que je vais avoir à discuter. Ensuite de ça, ben, ça va être les personnages. Je ne les mettrai pas toutes, 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 là, mais je vais en mettre. Hey, ça marche plus, ça, là. Ben oui, ça fonctionne. OK, pour asseoir, ça va être le paranormal avec les visions, avec le gourou Gougoun. Pour terminer la capsule de ce soir, ça va être le psychédélique. Lui, il va parler de dépendance affective. Tu es des parents affectifs, l'amour? Moi, non. Non? Pas moi, là, tu es une femme qui s'affirme. Bien. Parce que je suis indépendante affective et j'ai pas vécu Amour, une amie toute seule. Ça va être difficile à t'entendre, de drôle, hein? Voilà, tu parles fort si tu me parles. Faut pas que t'aies peur. Je dis, si je suis indépendante affective, oui. j'aurais pas resté au-dessus de 10 ans seule. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai pas fait 10 ans en ligne, mais j'en ai fait pas mal de ça. regarde, un petit peu, si je regarde ça, là. Vite fait. J'ai connu ma première femme, j'avais 27 ans. Ma première blonde, j'avais 19 ans. Ça fait 2 ans, fait que de 21 à 21, j'ai fait 6 ans. Après ça, quand Manon est décédée, en 2004, je me suis marié en 2010. Fait que j'ai été 6 ans encore là. Ça fait 12. Non, c'est sûr, je suis pas vraiment indépendant affectif. Bon. On va continuer, c'est ça, on va continuer pour le développement virtuel. OK. J'ai fait un blitz pour mousser le forum, pour amener plus d'argent possible vers le forum. Le forum Onuromancie. Là, j'ai pas tout fini encore à faire le blitz. J'attends des réponses parce que j'ai envoyé des courriels à certaines personnes que je veux, que j'aimerais qu'ils aillent là. Tu sais, il faut pas les tordre de bras. Mais c'est des gens bien. Ils savent que c'est où ce qu'ils s'en vont dans leur matière. Il me semble que si on pourrait ramer vers le tour la même direction, on éviterait quand même les chutes, là, tu sais. Qu'est-ce qui est passé? C'est passé. On oublie ça. C'est l'avenir qu'on va. Ça donne rien, reste en arrière. Quand tu restes en arrière, le train passe, puis il passe. Faut t'en battre. Bon. Ceci dit. Là, j'apporte des éléments dans lesquels je suis dans mon mieux. Ces éléments-là, c'est les arts divinatoires. Je suis un chiromancien, pour ceux qui savent c'est quoi. Les lignes de main. Oui! La taromancie, il y en a qui disent la tarologie. Pour moi, c'est pas le bon terme. Le bon terme pour moi, c'est la taromancie. Je fais l'oniromancie. Ça, c'est l'interprétation des rêves, tout le monde le sait, là, maintenant. Puis, l'astrologie. Mais l'astrologie, je donnerai pas autant d'informations que je peux te donner en taromancie, parce que l'astrologie, pour moi, c'est pas la matière première pour les arts divinatoires. Je suis capable de lire les cartes du ciel, mais ça s'arrête là.
commencerai pas à sortir toutes les affaires des éphémérides pour vérifier chaque point à quel degré, puis as-tu, es-tu en rétrograde ou pas? Non, non. J'inspire le logiciel. Prends les coordonnées de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance, clique. Tout se fait. C'est à partir de ça que je fais l'astrologie. Je suis pas l'astrologie contemporaine, là. Non, 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 non. C'est pour ça que j'en fais pas l'astrologie. Je peux pas avoir la mention astrologie avec mon nom. J'ai zéro papier pour ça. Bon. Tout ce que je vais faire, toute interprétation, ça va être gratuit. Pourquoi gratuit? C'est bien simple. Parce que pour moi, ça ne devrait même pas être chargé. C'est comme vendre, comment je te dirais ça? C'est comme vendre l'arbre au diable. C'est pareil. Pas un petit gris, moi, là. Peut-être un petit Christ, mais pas un petit gris. Bon. J'essaie de tempérer mon caractère. C'est pas toujours évident. Les gens me connaissent comme je suis. Mais les autres gens que je connais pas, les autres, ils ne me connaissent pas, ils peuvent pas savoir comment je suis. Fait que j'essaie de tempérer mon caractère. Je suis un gars direct, j'ai toujours été direct. Là, il va falloir que j'use plus de diplomatie. Ça va être difficile en tabarnak. Je veux que le forum soit une référence pour les arts divinatoires. Puis je vais tout faire en sorte que ça va être vu partout. Oui, monsieur. Oui, madame. Quand je suis décidé à faire quelque chose, là, je prends tous les moyens de mon bord. Fait que un gars décidé, il sait où avancer. Hein? Bon. Pour revenir un petit peu au début, tout ce qui s'est passé, c'est passé. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Clair, surtout pour les gens qui vont sur un radio, sur le forum radio, tenu par les autorismes expérimentaux et expérientiels. Je veux que ces gens-là, quand ils viennent sur mon forum, qu'ils oublient tout ce que Dédé a écrit avant. Tout est là dans ce forum-là. Il n'y a rien d'effacé. Mais coupe ça! Et ceux là qui étaient proches de moi là dernièrement là que j'ai plus de nouvelles des autres là, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous nommer, vous savez c'est qui, du moins vous savez c'est qui de qui je parle. Oublie ça, si tu veux avancer continue le même chemin, bifurque c'est correct, ignore c'est correct, mais fais-le pas pour moi. Fais-le pour toi. Si tu le fais pour moi, c'est sûr que tu ne reviendras pas. Moi, je demande pas ça pour moi, je demande ça pour les autres. Je veux que ce soit un lieu où la culture de tous les niveaux puisse s'étaler sur le net sans nécessairement avoir un ticket sur l'ésotérisme. Sans nécessairement avoir un ticket pour ci, pour ça, pour là. La divulgation des connaissances, c'est important pour avancer. Pas plus dur que ça. C'est pour ça que je dis, faut aller dans la même direction.
On patauge. Bon. Il me semble que le message est clair. Bon, on va continuer. On va laisser la place au gourou. Fait que, à tantôt. Soyez les bienvenus. Méchant larron. Bon. On va parler sérieusement. Là, je suis pas de bonne humeur après mon délire, moi. Encore, non, hey, me relègue ça à des vidéos avec les autres. Ah, tu sais, il va savoir comment je m'appelle. Non, sérieusement. J'aurais dû en fumer un autre avant. Pas une cigarette. Bon, ok. Là, on va parler des visions. Yeah, oui. C'est quoi une vision? Normalement, une vision, ça arrive de même tout de go. Pouf! Ça peut t'arriver en parlant avec quelqu'un, puis tu sais, tu tombes en un deuxième, un état second durant quelques secondes. T'es comme plus là, là. T'es comme là, mais t'es pas là, mais t'es ailleurs. Puis là, t'as des clips que tu vois. Il y en a qui vont dire c'est de la prémonition. D'autres vont dire, ben, c'est un prophète. Prophète de malheur. C'est censé être ça, une vision. Il y a différentes façons de faire des visions. Il y en a qui font ça nocturne, durant les nuits. Au plein de lune, là, genre. Mais la teneur des visions, c'est là où je vais en venir, là. Il ne faut jamais, au grand jamais, prendre tout ce qui vient de vision, de divulgation subtile, au cash. Autrement dit, prendre ça pour du cash. Prendre ça pour une réalité. Prendre ça comme les lumières d'illuminer de prophètes, là. Il faut prendre ça, ces choses-là, de façon à analyser comme c'est comme si tu passerais devant un psychiatre, là. Parce que tous les éléments de neuromancie, pour être précis, la plupart des travaux qui se retrouvent là-dedans pour décortiquer des rêves, c'est tous des outils de psychiatrie. J'ai eu le temps d'étudier en masse. Quand je travaillais dans les appels, d'autres flânaient partout de droite à gauche à voir ce qui se passait. Moi, j'avais le nez dans les livres. Surtout de jour. De nuit, là, c'était autre chose. C'était plus difficile de se concentrer et étudier de nuit. Pour moi, c'était plus difficile. Mais c'était pas infaisable. Je le faisais. Fait que j'ai eu le temps d'en lire passablement de livres. J'ai eu le temps de me documenter. Donc, toute vision ne devait pas être prise au pied de la lettre.
mais plutôt en biais. C'est-à-dire de décortiquer, d'analyser la vision. Qu'est-ce qu'elle peut dire, la vision? Pas de façon rationnelle, parce que c'est irréel, c'est chimère, c'est astral, c'est... Tu peux pas prendre ça au pied de la lettre. N'importe quel bon psychiatre, il va te dire la même chose. On ne prend pas les chimères pour de la réalité. Fait que quand vous entendez des personnages, des personnes publiques qui parlent des messages subtils, là, faut pas rien prendre au pied de la lettre. Oui, certains éléments peuvent se produire. Mais ça ne veut pas dire que ça va toujours se produire. Donc, évitez de prendre ça au pied de la lettre. Analysez. Si tu es capable de faire des archétypes pour les rêves, tu es capable de faire des archétypes pour les visions. Tiens, c'est la même chose. It's the same thing! T'es pas capable d'entendre le bourraguet, toi, hein? Moulinet, là. 0, 0 plus 0, t'as tiré. 0. Bon. Si t'as des visions et que tu puisses te constater par toi-même que qu'est-ce que tu as vu comme vision, c'est pas réel, tu peux consulter. Je ne sais pas si tu peux consulter la psychologie ou la... Peut-être. Il y a des bons psychologues pour ça aussi, là. Mais quand c'est rendu maladif, tu entends des voix tout le temps. Ce serait bon, peut-être, de vérifier l'état de la boîte noire. Hein? Parce que, au fond, toutes les visions, ça part à quelque part, là. Hein? Ben oui, ça débute à quelque part, là. C'est un produit chimique du cerveau. Eh oui, c'est un produit chimique du cerveau. C'est pas autrement. Mais dans quel compartiment? Là, je commence. Bon, vous perdre, là, si je commence à faire la neuropsychologie. OK, on va y aller en vulgarisant les choses. Il y a un compartiment qui s'appelle subconscient. Le subconscient, c'est ça la boîte noire. La méchante bébite. Tout ce que tu produis dans la journée, c'est tout emmagasiné dans ta boîte noire. Émotion. Sens. Tout est là. Tout ce que tu fais dans la journée, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que tu fais. c'est tout dans la boîte noire, ça, là. Puis là, l'oxygénation du cerveau, autrement dit, lors du sommeil, cette boîte-là travaille.
Ça travaille. C'est comme si ça ferait une récapitulation de ta journée. Normalement, quand tu te couches, t'es tellement fatigué, paf, tu tombes, là, pis t'aimais pas tant de jongler, t'es rendu dans les bras de Morphée. Et Morphée. Mais quand tu jongles, la période de jonglage, ça, c'est la récapitulation du subconscient. Là, il t'en sort les affaires. Là, il est en train de créer des petites inquiétudes, là. Là, tu jongles avec ce que tu vas faire, tabarnak, comment je vais faire pour m'en sortir. Mais c'est ça, c'est lui, là, tu contiens. Si tu parviens à être positif dans les choses, à entreprendre, tu n'auras pas de problème, là. Parce que comment je te dirais ça, ça se formate un subconscient. Il faut que tu lui dises, là, hey, écoute, là, c'est comme ça que je vois les choses, puis c'est comme ça que ça va arriver, puis c'est comme ça que ça va arriver. C'est ça le subconscient. C'est parler, c'est ça. C'est le principe. Puis durant le repos complet, les personnes qui se souviennent des rêves, c'est que le subconscient, durant la jonglerie, il a pas tout terminé son rapport, là. Si tu regardes au côté, si on compare les choses comme un ordinateur, le subconscient, c'est la mémoire vive. Non, la mémoire, le RAM, c'est ça. La mémoire, pas la mémoire vive, mais la mémoire de l'appareil. OK? On se comprend, là? Cette mémoire-là a besoin d'être formatée. Donc, il faut que tu travailles ton subconscient pour arriver à des fins que tu veux, que ça soit l'état final que tu veux, que tu désires, que tu espères. Faut qu'il y ait un résultat à ce que tu veux faire. Fait que le subconscient, lui, va t'aider. Faut que tu le formates. Durant le rêve, s'il n'a pas donné son rapport, parce qu'il faut qu'il fasse un rapport à tous les jours, pour ceux qui dorment, là, puis pouf, ils dorment, puis ils se rappellent de rien, c'est correct. Ça veut dire que ça va, tout va bien. Mais des fois, il n'a pas tout fini de donner son rapport, mais il continue durant le sommeil. C'est ces clips-là qu'il faut interpréter, il faut les analyser pour le quotidien. Pas, comment je te dirais ça? Pour en faire une montagne, là, puis dire, hey, c'est ça qui va t'arriver, puis papa, c'est de la prémonition, puis c'est ça qui va t'arriver. Non, non. Il faut regarder sur son mouvement personnel actuel. Pour analyser de façon le plus près possible de la réalité, c'est pas évident, mais il faut arriver à ça, afin de t'en servir comme outil de cheminement. Afin de te dire, hey, regarde, il y a peut-être ça là, qui pourrait t'aider à passer par là. Tu sais, c'est un outil. C'est pas autre chose, là. C'est juste un outil. Mais les visions, c'est le même principe. It's the same thing! Bon. C'est tout pour asseoir. Parce qu'ils vont me faire tirer par la couette, là. Moi, ouais. Fait que, ciao! Bon, c'est comme ça. Oui! On va partir ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de dépendance affective. C'est quoi ça? C'est quoi ce bébé t'as mangé là?
Oui! La dépendance affective, là, c'est simple, là. C'est une personne qui n'est pas capable de vivre seule. Elle a besoin de quelqu'un à côté de elle. Et c'est ça, la dépendance affective. Faut pas mélanger la dépendance affective avec amour. Oui! Et là, tu sais. Oh boy. Faut pas grand chose dans ça. Non, il y a quelque chose qui me rentre dans l'œil. C'est un pote de gourou qui est resté dans la face. Ah, il a de là, le petit cric. Ah ah! Bon. Il aime bien avec mon costume. J'ai pas de maquilleuse. Regarde, ça brille. Une perruque qui est débile. C'est mon cerveau qui s'est fait animer. Oui! OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, la dépendance affective? Dans le fond, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Évidemment, ça dépend toujours du degré de toxicité intellectuelle que tu peux avoir avec ça, là. Si t'es pas capable de vivre seul, c'est parce que y a un petit problème, là. Ça veut pas dire que c'est un gros problème, c'est un petit problème. Parce que tu peux vaguer quand même avec ça sans trop de problème, là. Il faut juste savoir comment polariser les choses, là. C'est sûr que si tu démontres une affection, une dépendance affective, il risque d'avoir des gros problèmes. Oui! Il faut temporiser ça, là. Il faut le permettre dans une certaine mesure dans ce qu'on vit, parce que tu peux pas changer au lendemain. Si tu es un dépendant affectif, tu peux pas changer ça demain, là. Hein? Tu peux pas dire, hey, un instant. Il faut temporiser ce problème-là, parce que c'est quand même un problème. Je pourrais dire ça, c'est un problème. Parce que vivre seul, c'est pas des honorifiants, là. Hein? Ça veut pas dire que t'es narcissique. Ça veut pas dire que t'es homosexuel non plus, là. T'sais. Il y a toujours des bons côtés dans toute chose, même quand tu vis seul, là. Ah, voilà, je t'écoute. Ah, t'es poigné dans mon œil en plus. Bon. Évidemment, faut toujours en tirer davantage, un avantage. Parce que t'es pas obligé d'étaler tout ton fond, là. Et comment je te dirais ça? Il y en a des personnes qui sont pas capables de tout sortir d'une shot, là. Ils commencent leur relation, puis ils sortent au fur et à mesure, là. Ça, c'est pas vraiment bon. C'est pas à conseiller. Parce que quand ça sort au fur et à mesure, qu'est-ce qui sort? Ça va ressortir. Fait que, vaut mieux être clair tout de suite en partant, que se faire éclairer. Bon, OK. Donc, la personne qui vit la dépendance affective, il faut qu'elle travaille sa personne. Faut pas étrangler l'autre avec ça.
Parce que c'est pas vivable de vivre avec une personne qui a une dépendance affective. C'est pas vivable. Tu as eu par expérience, je sais quoi. Non, c'est pas vivable. Parce que de un, t'es comme poigné, là. T'es comme. T'es comme. Comment je te dirais ça, là? Tu sais, t'es poigné, là, c'est ça. T'as beau dire. Wow, pas moins d'être jalouse, là, pour dire. Ouais, mais. Mais t'es comme poigné. N'importe quel geste, n'importe quoi que tu vas faire. Ça va faire réagir l'autre, là. Surtout si elle est jalouse possessive avec son problème de dépendance affective. C'est encore pire que vivable. Oui! Moi, j'ai trouvé un bon bénédiction que ça marche toujours, c'est vivre puis laisser vivre. Sois toi-même. That's it. C'est ça le secret. Si t'es capable de temporiser ton problème, faut le dire, c'est un problème, parce que t'es, on veut bien croire que l'humain est tribal, parce qu'il vit en groupe de communauté. Mais il me semble que, je trouve pas ça normal. Quelqu'un qui est pas capable de vivre seul, pour moi, je trouve pas ça normal. Pour d'autres, ils vont dire que c'est normal, mais pour moi, c'est pas normal. Ça veut pas dire que j'aime pas la personne avec qui je suis, là. Non. J'ai dit tantôt, faut pas mélanger les deux avec la, ça pis l'amour, là. C'est pas pareil, pas partout. L'amour, tu laisses respirer l'autre. L'amour, c'est comme deux personnes qui ont resté tout seules longtemps, qui sont capables de se comprendre. Puis, c'est ça. Autrement dit, c'est... Considérant la chose, on est toujours pressé quand on est jeune pour avoir des enfants, puis pour avoir une famille, puis how it don't, puis don't dire avec l'ac, mon Dieu. Mais on s'oublie là-dedans, là. Ça, c'est plus de l'amour, là. Ça, c'est un but. Oui, l'amour peut engendrer ces choses-là. Oui, ça peut être un apport commun pour arriver à faire un nid. Un nid familial. Mais t'es pas obligé de vivre la vie familiale jeune. Tu peux le vivre un peu plus vieux. Dis pas à attendre à 40 ans pour avoir des enfants. Hein? Ça, c'est un peu... Moi, j'appelle ça des... Oups, là, il a oublié quelque chose. Première des choses, considérant que ce que je vois, c'est pas tout, c'est pas en général, je vais le dire, là, c'est pas en général. Mais il y a une bonne partie des débuts de nid familial, ça pète dans 4-5 ans. Bien souvent, la femme se retrouve monoparentale, poignée avec les enfants, comme on dit. Là. Ben, poignée, dans le sens que il n'y a pas juste elle qui devrait gérer ça, là. Hein? Quand on fait les enfants, on fait ça à deux. C'est bien beau de jouer, mais il faut s'affirmer. T'as beau être indépendant, mais il faut que tu sois indépendant quand même, là. T'sais? Faut t'assumer tes gestes. Oh! Oui! Et là, je suis rendu dans les choses de ma témoignage, je suis même pas dans le bon sujet pas tout.
Revenons à la dépendance affective. Là. Bon. C'est un problème, mais c'est pas un gros problème. C'est pas un grave problème. Ça peut venir grave si tu es dans ce mood, de ce mood-là. Si tu présentes des aspects négatifs. Quand tu fais étrangler l'autre, là. Ça, c'est un aspect négatif. Ça, faut travailler ça. Faut pas attendre trop longtemps. Parce que trois quarts du temps, tu vas t'en trouver tout seul. Puis c'est pas en sortant de relation, puis en sortant dans une autre relation tout de suite que ça va arranger les choses. Mais, parce que là, tu fais juste transférer des problèmes. Tu les règles pas, tu les transfères. Puis plus tu vas transférer dans ta vie, plus que tu vas avoir ta croix va être pesante à tirer. Là. Hein? C'est une croix, ça. Mais oui, c'est une croix à tirer, ça. C'est une métaphore, mais ça veut dire ça. Si tu veux pas entraîner ta croix la sortir pesante, là, règle tes affaires tout de suite. Faut pas attendre, faut purger le bouton. Là, je suis encore dans un autre track. Le bonhomme sur des tracks. Bon, ben, c'est ça, ça va terminer direct là, à soir. Pour terminer, là, voici une petite citation personnelle. Il faut que tu t'enlèves la traque pour que le train passe. Ciao.